Alors, on va essayer de commencer. J'essaie de voir si ça s'arrête. Ça s'arrête pas. Et là, bon. On a eu que régler le problème, on n'a pas réglé le problème. Alors, on va essayer de parler comme ça à distance. Alors. Voilà. On essaye. On essaye qu'il y ait personne, ça marche. C'est bien aussi, ah, c'est chaud les bruits aux oreilles. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, le propriétaire. Non. Non plus. TTM. Si je m'arrête, vous savez, vous avez triché. Alors, GTM. Alors, qui connaît GTM? Non, personne? Bah, même moi, il y a une certaine époque, je ne connaissais pas GTM. En fait, c'était un petit artisan anglais, comme il y en a beaucoup en Angleterre. Et qui fabriquait donc des petits, on appelle ça un petit car, sur avec des pièces de mini. Hein, tout ce qui est mécanique, classique, train roulant, moteur, suspension, frein, du mini. C'est ça, oui. Alors, c'est une marque c'était, celle-ci est de 68 et la marque est créée depuis les années 60. Donc c'est ancien, et celle-ci est 68. Je sais que ça fait des années que tu l'as, et ça fait très peu de temps qu'elle roule. Tu peux nous raconter alors l'achat, tu connaissais cette marque avant, non? Alors je la connaissais pas du tout, je l'ai découvert il y a 10 ans de ça à Roubaix, chez Nostalgia. C'est une voiture qui est entièrement restaurée. Entièrement. Une épave. C'était une épave. Ouais. C'était une épave. Ouais. Parce qu'elle avait servi en course, quoi. Course de côte. À la base, c'était une voiture de course de côte. Ouais. D'accord. Elle était destroyée, elle n'a pas roulé depuis des années. Elle était très accidentée au niveau du poly. Et la conduite était à droite. Voilà, il y a eu beaucoup de modifications apportées dessus. Ouais. Et toi, tu t'es lancé là-dedans, t'as dit on va la refaire entièrement. Voilà. Et ça t'a pris combien de temps? Bah, une dizaine d'années. Et voilà. Parce que je lui posais des questions de temps en temps. Alors ça avance, ça me dit ouais, ça avance. Il y a autre chose à faire, il manque ça dans la vie. Bah ouais. Ah. Et elle roule là depuis quoi? Quelques mois? Ouais, ça fait un an à peu près. Ça fait un an. Ouais, un an. Voilà. On essaie de la présenter. Voilà, ouais, de la fiabiliser aussi parce que du coup. Alors, la voiture, on dit que c'est une coque en polyester, voilà. Mais à la base, le châssis, lui, c'est un châssis métal ou c'est tout en polyester? Non, non, il y a un châssis tubulaire. Tubulaire. À l'arrière pour la partie moteur et à l'avant, c'est un faux châssis en tôle. D'accord, donc on a un moteur, alors central arrière, arrière. Central. Central arrière, ouais. Donc le moteur de la Mini. Voilà. Un 1300 Cooper, je suppose. 1380 actuellement, mais. Bien préparé, parce que voilà. Je te connais. C'est bien avoir des watts. Donc il est placé, on le voit ici, donc il respire, hein, je pense que c'est la ouverture. Et donc il est en position transversale. C'est comme sur la Mini, à l'avant, mais à l'arrière, du coup, dans cette position initiale. C'est au niveau de la commande, mais sinon la boîte de vitesse reste la même. C'est voilà. Juste la commande qui est modifiée, inversée. Le système de transmission est modifié. Non. Carbone, là. Si, toujours. Ah ouais, toujours. Ouais, t'es toujours avec les cardans. C'est marrant, ils ont gardé les cardans. Oui. D'accord. Ouais. Bon, on va revenir en moteur tout à l'heure. Hein. On va détailler l'habitacle. Alors, c'est une voiture de course en fait. À la base. Une voiture de course, on voit très bien, regardez les fusibles très accessibles, c'est pratique quand vous êtes en course de côte, vous avez toujours besoin d'avoir des fusibles. Regardez les basculeurs sur la console centrale, c'est beau. Alors, bien sûr, les panneaux de porte intérieurs sont en aluminium, une voiture de course pour qu'elle soit allégée un maximum. On reconnaît les poignées d'MGB, classiques, qu'on trouvait d'ailleurs sur les Lotus aussi. Des petits filets pour mettre une carte éventuellement. L'intérieur, ça c'est beau aussi, hein. Le frein à main, regardez, typique d'une voiture de course. Hein. Quand vous prenez en rallye, quand vous prenez un virage, on image la cheville, comment vous faites. Bah, vous donnez un coup de frein à main, ça va. Vous donnez un coup de frein à main.
et avec un frein comme ça hydraulique, hein, vous avez vu le maître cylindre qui est juste là, et bien la voiture, c'est ça, j'explique bien aux gens. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est une vraie voiture de course. Alors la taille de la voiture, franchement, quand tu habites au Lotus qui sont pas grands, ben là, je crois qu'on a un peu encore, j'allais dire pire, mieux quelque part. Tu peux te mettre dans la voiture, on va, les gars, moi je peux plus. À cause du Covid. Alors on a un arceau qui est super costaud. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait ou si c'était sur la voiture. Il fait maison, regardez la qualité. Quand on se retourne avec ce genre de voiture, il vaut mieux être protégé. Alors toi, t'es pas petit comme mec, quoi. Ah, c'est grand ou pas ? 1m73. Je l'ai fait à ma taille. Ah ouais, bah comme moi, 74. Et c'est vrai que t'es bien dedans. Bon, les coudes, ça doit coincer un peu peut-être ? Non, ça va. Non, ça va ? Alors, t'as fait du circuit un peu avec ? Non. Tu te mets à ta portée ? Non, là, je suis plus sur une période à faire du roulage et faire viser l'ensemble de la voiture, hein, le comportement, la mécanique. Armenter, c'est tout du mini. Alors, il y a quelques accessoires qui sont différents. Comme quoi, par exemple ? Eh bien, on a les poignées de porte, c'est les poignées de main de MGB. D'accord. Les poignées pour ouvrir le capot, c'est de. Ça reste en plus tout ça. Voilà. Et l'originalité qu'on va avoir, c'est au niveau des optiques arrière. Là, c'est le Aston Martin DB7. Ah ouais ? D'accord, ça se trouve pas facilement ça. Le tableau de bord est sympa. T'as les mains dessus, mes yeux. T'as les gros compteurs qui sont décalés. Donc, la calé dans un coin. Et là, t'as un petit. Comment on appelle ça ? C'est la pompe à eau, ça permet de commander la pompe à eau électrique. Ah bon ? Voilà, ça gère la pompe à eau et le ventilateur. D'accord. Il y a une sonde. Ok. Mécaniquement, on supprime la pompe à eau pour gagner quelques trucs. Ah d'accord. Ouais. Sur une montée qui est assez courte en général, des pédales à alléger, un petit course. Après, et ben, écoute, on va. Le capot avant, il y a quoi finalement alors ? Ça c'est juste qu'il faut tenir bien les attaches. On peut l'ouvrir ? Voilà. Là tout bascule, je suppose. Elle est mignonne hein, cette voiture, regardez. Le look est là. Alors ça touche pas par terre, c'est prévu pour. Je vais mettre ici. Ah, c'est le réservoir ! D'accord. Le radiateur, donc. La batterie. Parce que, comme je le dis souvent, hein, une voiture à moteur central, il faut équilibrer la voiture. Voilà. Donc, répartir les masses. Exactement. Pour que la voiture soit le plus neutre possible. Et donc là, c'est le cas. Donc là, on a le réservoir. Ici, le lave-glace. Le lave-glace. C'est chouette, le lave-glace. C'est sympa. C'est une maison, ça. Tout ça, c'est du maison ? Tout, oui. Tout. Entièrement. C'est toi qui as fait ça ? Entièrement, ouais. T'es un champion, toi, dans ton domaine. Là, on a un filtre d'habitat ? Oui. Non ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ici, c'est le. Donc là, c'est un système de pompe à essence basse pression qui alimente une pompe haute pression, parce qu'elle n'est plus en carbure, on est passé sur une injection. Et puis le radiateur et la batterie à l'avant. Voilà. Donc il n'y a plus de place pour même pas aller une seconde. À l'origine, c'était comme ça ou c'est toi qui as modifié ? Non, on a tout modifié. Il y a la forme du réservoir et son emplacement était tel que. Sinon, tout le reste, le radiateur, lui, était à l'arrière. Le radiateur était à l'arrière. Ouais. Il est bien mieux à l'avant. Ah bah oui. Logique. Ouais. Ça refroidit beaucoup mieux. Ok. Et bien écoute, on va aller à l'arrière maintenant, voir ce moteur, ce petit moteur. Le pare-brise est magnifique. Je ne sais pas de quel modèle il vient. Ah, je ne sais pas non plus. Ça me fait penser à certaines Alpha. Julietta, les coupées, Julietta, qui avait un pare-brise très harmonique. Je ne suis jamais renseigné, mais c'est assez atypique. J'ai des pare-brises comme ça à l'époque, courbées, il y en avait pas à 50. Tu vois bien ? Ça va, ça va. Des petites poignées aussi de porte. C'est mal de MGB, ça. Le mal de MGB. Bah, toi, je n'aurais pas su. Alors le moteur. Voilà, faut pas l'abîmer. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Ben un moteur de mini transversal. Voilà.
comme je disais tout à l'heure, il a toujours la même position, sauf qu'il est à l'arrière. La boîte à eau, qui est ici. Ouais, voilà, c'est l'équipe de refroidissement. Un radiateur d'huile, voilà. Ici. Ouais. L'alternateur, tout ça, ça passe au chausse-pied, dis-donc. Hein. L'alternateur, ça passe au chausse-pied. Ah, c'est tout. Voilà, la marque qui a le châssis. Tout est calculé. Alors, ça, c'est quoi ce système de. Bah, c'est la boîte à air. C'est la boîte à air, voilà. Qui est. Refroidit sur le côté. Un côté radiateur d'huile, c'est voilà. Ça. Le côté refroidissement du. Alimentation. Alimentation du carbu. Alors, pas du carbu, tu m'as dit que c'était une injection multipoint, c'est ça? Oui. C'est ça, en fait, comme on dit. Et ça, c'était pas d'origine. Alors, non, c'est pas d'origine. C'est toi qui l'as adapté, ça marche bien. Oui, ben, c'était un souci de réglage et de, dans un futur, la faire rouler à l'éthanol. D'accord. Voilà. Ok, et ça passait par un injection. Voilà, c'est plus, c'est plus pratique c'est pour la cartographie. D'accord. Ça, c'est quoi? C'est le dégazage Voilà, c'est pour les vapeurs d'huile. Pour les vapeurs d'huile, voilà. Et il te reste quelques places pour mettre quelques outils, là, ce que je crois. Une roue, peut-être. Alors, c'est pas une voiture pour partir en week-end. Ah, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué. À moins de mettre une galerie sur le toit, je vois pas comment tu peux partir en week-end. Alors, tu pars tout seul. Voilà. Mets ton sac à côté. Voilà. Aujourd'hui, des voitures comme ça, des GTM, ça va pas pouvoir aller où, même en France? Bah, là, en Angleterre, sans doute, mais... Même en Angleterre, ils ont relancé une refabrication de quelques modèles. Ouais. Mais actuellement, en France, on doit être trois. Trois? Ouais. Ah ouais, ça court pas les rues, quoi. Ouais. La voiture, elle fait combien de haut? Tu sais à peu près? Ça fait un mètre, pratiquement? Un peu plus, on doit être à 1m20, quelque chose comme ça. Oh, oui, je suis pas sûr. Ouais. À peine 1m20, on va dire. Ouais. En poids, on va être à 550 kg. 550 kg. Voilà. Ah ouais. Et en puissance, on est à 127 chevaux. 127 chevaux pour 500, ça, c'est à peu près comme une 7 de l'époque. Voilà. Enfin, il y avait beaucoup de voitures qui faisaient 500 kg à l'époque. C'est un 1300. Ouais. Et c'est un 1300 préparé par tes soins. Voilà. Voilà. Cette voiture, quand même, t'as mis quand même plusieurs années à la restaurer. Ouais. T'as plus de phase de découragement? Ah si, il y a eu hein, sur les 10 années, honnêtement, au bout de 5 ans, je suis passé à d'autres voitures. Ouais. Parce que la complexité de la voiture, c'est qu'il n'y a aucune pièce détachée. Bah oui. C'est que de l'artisanal, faut tout. La marque s'est éteinte il y a longtemps, je pense. Bah oui, voilà. Ouais. Ouais. Donc quand tu cherches des pièces, c'est la galère. Bah, il faut ruser. Ou alors fabriquer, comme t'as dû le faire. Faut ruser, faut adapter. Ouais. Voilà. Quand on voit le résultat de la voiture, je sais pas, les gens, c'est superbe. Superbe. La couleur en plus, j'adore. Moi, j'adore le jaune. Et là, c'est super. Ça, c'est du plexi? Oui, un macro long UV, ouais. Macro long, ouais. Non, elle est franchement magnifique. Alors, la vitesse de pointe, c'est pas ça qui est intéressant, à la limite. Non, c'est l'accélération. Et bon, la plus de route. Oui, la plus de route, elle est... Ça va être hyper maniable, hyper direct. C'est très direct. Ouais. Ça tient la route. Par contre, si ça part, ça part. Ah ouais, quand ça décroche, ça décroche. Ça décroche et c'est très compliqué. À doser. Voilà. D'accord. Toi, t'as des pneus assez larges, quand même. Oui, le comportement est sain. Hein. Moi, il révolutionne. Voilà. Très, très belle roue. Et franchement, la voiture est super. Avec 4 freins à disque ventilés. 4 freins à disque ventilés. Voilà. Des amortisseurs à gaz peut-être aussi. Oui, réglables en hauteur. Réglables en hauteur. On reste sur une voiture de course. C'est une voiture de course. D'accord. Voilà. T'as déjà fait du circuit avec ou pas? Non, pas encore. J'ose pas. J'ose pas? Non, j'ose pas. Si, non, je te vois très bien à l'OEAC avec ça. Mais oui, c'est sûr, moi aussi. Ça, mais... C'est adapté à ta voiture, hein, l'OEAC, c'est comme ça. Je suis sur la retenue avec. Bah, pas la casser. Ouais. Oh, il y a beaucoup de volants. Ah, ouais. Si. J'ai vu avec des mini, moi, et roulez bien. Ça s'emporter. Bon, on va te laisser repartir. Vous pouvez l'applaudir, parce que cette voiture-là, elle est quand même unique. On peut le dire unique. Il l'a fait à son image. Voilà. Et franchement, le look tout, elle est superbe. Et je suis content, parce qu'il y a longtemps que je l'ai présenté. Depuis que je sais qu'elle existait, je voulais la présenter. Et c'est très bien. J'ai vu en pièces détachées cette voiture, donc je sais le travail qui a été fait dessus. Bravo à toi, merci à toi. Bravo.